choses-là. Tu fixes devant toi, tu veux ignorer ces regards qui sans cesse scrutent ton visage. Pourtant ils te pèsent, ils t'écrasent. Tu croyais sortir de l'enfer, ils se ferment sur toi. Tu es assise là, autour que des yeux d'homme. Et au regard concupiscent, ils t'ont harcelé de questions. Ils te les posent et posent encore. Que désire-t-il encore savoir? Quel détail sordide? Tu es assise là. Mais qui donc juge-t-il? Laisse pas cet homme accoudé là-bas entre deux uniformes. Non, maintenant tu y vois clair. C'est toi qui es sur la sellette. C'est toi qu'on accuse. Tu es assise là. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ne l'aurais-tu pas provoqué, t'es-tu seulement défendu? N'y as-tu pas pris du plaisir? Voilà ce qu'ils veulent en savoir. L'accusé, c'est toi. Tu es assise là. Le doute vient s'installer en toi, tu sais que tu es pris au piège. Tu ne sors pas du cauchemar, et tu t'y enfonces un peu plus. Tu fermes les yeux. Tu es assise là, et tu les imagines. Ils sont tous sur le même banc, car ils sont tous comme cet autre. Et toi, tu te retrouves seul, atrocement seul en face d'eux. C'est toi qu'ils condamnent. Tu es assise là, tu entends leur verdict. Coupable, coupable d'être femme, condamnée à perpétuité, à vivre dans les murs de la peur, condamnée à cette obsession, cette psychose du viol.